La saison 1 de The Idol continue de créer la controverse. Dans l'épisode 4, sorti ce lundi 26 juin sur Prime Video, l'une des scènes mettant en avant un célèbre chanteur a particulièrement choqué les téléspectateurs. La série The Idol enchaîne les scandales depuis sa première diffusion. Après les scènes de nudité de Lily Rose Depp et les dialogues particulièrement crus de Ted Ross, incarné par le chanteur The Weeknd, les téléspectateurs étaient scandalisés par une réplique de très mauvais goût sur le défunt milliardaire Jeffrey Epstein qui, pour rappel, était accusé d'utiliser son île privée pour organiser un trafic sexuel de mineurs d'ampleur internationale. Mais les internautes ne sont jamais au bout de leur surprise avec The Idol. Preuve en est avec le quatrième épisode de la série, mis en ligne ce lundi 26 juin sur le Pass Warner disponible sur Prime Video. Cette scène de torture provoque un nouveau scandale pour The Idol. Les téléspectateurs ont assisté à une véritable scène de torture dans le quatrième épisode de The Idol. En entendant Sander, Troye Sivan, chanter sous la douche, Tedros lui demande pourquoi il a arrêté de s'adonner à cette passion. Celui-ci lui révèle qu'il a été forcé de signer un contrat avec la mère de Jocelyn pour ne jamais chanter, de peur qu'il ne surpasse sa fille. Sander confie également à Tedros que la mère de la popstar avait secrètement révélé son homosexualité. Un moment d'honnêteté qui va finalement se retourner contre le jeune homme puisque le gourou de la secte lui impose un collier électrique, qui lui envoie des décharges plus ou moins fortes devant Jocelyn et ses amis. Une scène qui a véritablement choqué les internautes. Cette scène avec Alex et le collier m'a provoqué une crise d'angoisse, je déteste tellement cette série, a commenté cette téléspectatrice. Je regarde The Idol et je ne suis pas là pour la torture de Troye Sivan. Pas là pour ça. Franchement, c'est inutile, a écrit un internaute. Nous sommes à l'effondrement de la société où nous regardons de la torture pour du divertissement, toute cette scène de torture avec Sander était tellement inutile. Cette série est un amalgame de torture, de porno, de drogue, de mauvais jeux d'acteurs et d'écriture. Pourquoi Levinson a-t-il pensé que c'était la bonne direction pour la série? Peut-on également lire sur Twitter? La série The Idol prendra fin plus tôt que prévu. La série la plus controversée de 2023 se terminera plus tôt que prévu. Si The Idol a été présenté comme une série de 6 épisodes, elle prendra finalement fin après 5 épisodes. Selon Television Line, le créateur et showrunner Sam Levinson n'avait tout simplement pas besoin d'un autre épisode pour terminer l'histoire. La saison comportera finalement 5 épisodes puisque tout a été dit et fait après que Sam a pris la relève et apporté des changements importants, a déclaré une source au site américain. Article écrit en collaboration avec C-Media. The...